En 1974, pour la première fois, est émis un timbre présentant une œuvre spécialement conçue pour l'occasion par le célèbre artiste surréaliste Joan Miró. Il s'agit là d'une émission exceptionnelle. La série artistique constituait jusqu'alors un petit musée de poche avec des reproductions d'œuvres d'art existantes, modernes ou anciennes. Mais le ministre des PTT de l'époque, Hubert Germain, décide d'innover en passant commande auprès d'artistes contemporains afin qu'ils créent une œuvre originale spécialement conçue pour être un timbre. Le premier à bénéficier de cette démarche innovatrice est donc l'artiste catalan Joan Miró, qui, à 81 ans, interprète dans son dessin le célèbre oiseau bleu de La Poste. Cette émission, qui est un succès, ouvrira la voie à d'autres artistes contemporains. Pierre Alechanski, Bernard Buffet, Jean Carzou, Salvador Dali, Alfred Manessier, Jean Messagier, Pierre Soulages, Victor Vasarely ou encore Hans Hartung. Ce dernier, artiste majeur du XXe siècle, rattaché au mouvement de l'action painting et de l'abstraction lyrique, va créer un véritable trésor philatélique. En effet, en 1979, Hans Hartung accepte avec enthousiasme la proposition de l'administration postale de créer une œuvre originale. Son dessin réalisé au pastel sur papier mesure environ 5 cm sur 6. Il le signe et le date au crayon Hartung 80. Après un test d'impression réalisé à l'imprimerie des timbres-poste de Périgueux, Hans Hartung n'est finalement pas satisfait de la reproduction de son œuvre en timbre-poste, de sa mise en page, ainsi que des inscriptions obligatoires et de l'encadrement. Bref, il refuse l'émission. Au musée de La Poste est donc conservée la seule preuve de ce revirement, la feuille d'essai de timbre non émis, rareté philatélique extraordinaire, puisque unique. Finalement, Hans Hartung choisit l'une de ses œuvres réalisées dans les années 50 pour l'émission définitive que nous connaissons. Depuis 1974, et la première œuvre originale de Joan Miró, nombre d'artistes contemporains ont enrichi et continuent d'enrichir de leurs œuvres le musée imaginaire du timbre-poste.